Bonsoir, c'est Ralph. Ça y est, c'est vendredi. Bienvenue dans Pils par ici la sortie. C'est parti pour l'actualité de votre week-end. Quoique maintenant, les week-ends sont de plus en plus lourds. On a encore un jour férié et en plus, ça va être un week-end plein de soleil. En parlant soleil cette semaine, allez, on part direction l'autre côté de l'Atlantique. Je vous emmène dans le désert du Nevada. Un festival qui existe depuis plusieurs années, c'est le Burning Man. Ce rassemblement est incroyable. Je vais vous présenter ça. Vous allez prendre carrément un coup de soleil. On est parti, c'est le reportage. Burning Man. Le rassemblement a commencé en 1986 sur une plage de San Francisco et aujourd'hui ce sont près de 50 000 personnes qui convergent chaque année fin août dans le désert du Nevada pour créer une ville éphémère qui surgit de nulle part pour une semaine à 7 heures de route de San Francisco. Burning Man est une communauté temporaire dans un environnement surnaturel où l'argent est exclu. Burning Man peut aussi être vu comme une forme d'utopie artistique et festive. Quelques règles à respecter au Burning Man. Le self-reliance ou l'autonomie. Il n'y a pas d'argent, mais il est donc impossible de faire de transactions marchandes. Il faut amener son eau et sa nourriture pour toute la durée du festival, ainsi qu'un peu plus pour offrir aux autres en cas de besoin. Pas de spectateurs, ça veut dire que le Burning Man n'est pas un festival comme les autres et vise à promouvoir la créativité et la spontanéité de chacun. On ne peut donc pas y venir en simple spectateur, mais il faut prendre une part active à l'expérience. Avoir un nouveau morceau de musique à jouer, des choses à offrir comme art performance, des œuvres à exposer dans le désert. L'idée est de stimuler au maximum la créativité de tous jusqu'à émulation. Leave no trace. Ne laissez aucune trace dans le désert après le festival afin d'éviter de polluer ce site magnifique. Des centaines de volontaires restent pendant plusieurs semaines afin de nettoyer le site. Des centaines d'installations artistiques jaillissent au milieu du désert. Mais ces œuvres peuvent aussi avoir créées par tout un chacun. En effet, la participation de chacun est encouragée. Expression personnelle, radicale et créativité. Chacun peut se révéler une âme d'artiste. On se déplace parmi les centaines de camps à thème qui proposent des milliers de happenings et d'activités permettant de faire l'expérience de nombreuses choses plus ou moins sérieuses ou délirantes. Afin de bien s'intégrer, on se préparera des tenues spéciales pour le jour et la nuit. Il s'agit de se fondre dans le désert et de faire perdurer ce dress code délirant qui est la première forme de spectacle à Burning Man. Voilà une expérience à vivre incroyable, je vous la conseille. Bon, il y a quelques heures d'avion, c'est pas à côté effectivement, mais voilà, c'est le genre de choses dans une vie qu'il faut faire parce que c'est vraiment un truc incroyable. En parlant de choses incroyables, les news cette semaine, elles sont aussi incroyables, elles sont super chargées. Grosse tendance actuellement avec les Frenchy Burger, nouvel établissement qui va ouvrir bientôt à Annecy, des burgers de qualité à découvrir, ça je vous le conseille vraiment vraiment si vous aimez la bonne gastronomie burger. Côté news toujours, les ventes Vendredi festif, ça se passe tous les vendredis au Saint-Germain, c'est tout nouveau, ça commence et ça marche très très bien avec des jeunes artistes aux platines comme Clément Meyer. Ça c'est vraiment petit apéro sympa à faire sur le bassin annécien. On continue encore avec des news, alors là ce côté-là, côté un petit peu plus news, je vous parle de l'Amnésia au Cap d'Agde qui fête ses 30 ans, incroyable, une programmation tout l'été, une folie. Les plus gros DJ de la planète seront présents, c'est à l'Amnésia au Cap d'Agde, vous pouvez y aller habillé bien entendu. Malgré que ça soit le Cap d'Agde. Voilà, je vous conseille vraiment de visiter ce club si vous allez du côté du Cap d'Agde. On continue les news cette semaine. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, le magazine Mouvante va arriver dans la région. Ce magazine va sortir pour le festival Musilac. Et ça va être vraiment un événement incroyable pour les news en tout genre. Toute l'actualité de vos sorties, un peu comme dans Pils d'ailleurs, seront représentées dans ce magazine représentant les deux Savoies. Nouvel établissement qui est ouvert cette semaine aussi à Annecy, le Poney Club, un bar chic, tendance, ultra glamour, mais complètement dégalé. Je vous invite à découvrir leur menu. Ils ont une carte super sympa pour manger en terrasse. Ça, c'est voilà le genre d'expérience qu'on aime découvrir et surtout vous faire découvrir dans Pils. T-Late, le célèbre magazine internet de photographes clubbing, est de retour en France. Il recherche des photographes. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimez la nuit et le clubbing, c'est pour vous. Et ben voilà, ça fait encore des news bien, bien chargées. Je vous parle du DJ producteur
canadien Deadmau5. Il sera ce lundi à Paris pour le Gumball 3000. Vous savez, ce gros rassemblement rallye qui fait le tour de l'Europe. C'est un événement aussi à ne pas louper. Et puis, bah voilà, ça c'est la petite surprise dont je voulais vous parler. La Cyber Night sera de retour au Pop Plage le 13 juin pour un événement incroyable dans le cadre du festival d'animation. Et ça, bien entendu, on sera présent avec toute l'équipe de Pils. Bah voilà, waouh, ça c'est de la news très 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 chargée. Et ça, c'est rien à côté de l'agenda. Allez, c'est parti. Dès ce soir, vendredi, direction le Must à Saint-Etienne qui organise les nouveaux fabuleux mariages de l'été pour se marier. DJ Score sera au Pop Large ce soir. Et puis, pour les amateurs de All Style, direction le Madison du côté de Cran-Gevrier. Et puis, pour les amateurs de hip-hop, DJ Clean et DJ Digit feront la soirée Back to the Future. Côté Duplex, toujours à Cran-Gevrier, soirée Blackout, tous en noir, ça va être tout noir. À Aix-les-Bains, Studio 54, la soirée American Rock, c'est la deuxième, et le deuxième Invasion, ça sera au César Palace à côté de Lyon. Toujours au téléphone rose, soirée Pablo and Friends avec Rainbow Voyage, et puis demain soir samedi, on embarque direction le Hay Club avec DJ Last One. Le Loft Club à Doussard vous fera gagner une paire de Louboutin, ça peut être sympa. Welcome to the Jungle au CO2 Discothèque, et puis du côté du XS à Lyon, Y Styles. Le Must fête ses 20 ans, ouais, 20 ans déjà à Saint-Etienne. Et puis Hello Summer au Jaipur Café avec Bootmaker, ça c'est pour les amateurs de bon son sympatoche. Dimanche, eh ben, au Macumba, ce sera la soirée Scandale, la soirée qui fait scandale. À ne pas louper, ça va être très très chaud. Et puis dans la semaine, un programme toujours bien chargé. Côté du Bowl, c'est la Garden Party en mode apéro le jeudi soir. Et comme tous les jeudis, bien entendu, l'apérosé du Moon à partir de 19h pour les moins de 25 ans, suivi de la soirée Cork au Pop Plage pour les amateurs de Fun Glisse et tout ce qui s'ensuit. Et bien entendu, le vendredi au Moon, la soirée Initiation Danse pour tous les amateurs de danse en tout genre. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer vos événements à ralph.pilstv@gmail.com. Eh ben dis donc, quel week-end! Vous n'allez pas dormir et puis la semaine va être aussi très belle, très ensoleillée, il y aura plein de soirées. Je compte sur vous, envoyez-moi vos événements, tous vos événements, vos idées de soirée, vos lieux insolites à découvrir, vous les envoyez à ralph.pilstv@gmail.com. On est très friands, j'en reçois toutes les semaines de plus en plus, on n'a plus la place pour mettre tous vos événements et on sera très 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 sélectifs. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un joli jour férié, un joli pont, un bel aqueduc comme on dit. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.